choisir une cible. D'accord, ok. Ah, fait chier cette feuille là. Elle est super mal placée. Bon, pour le moment c'est chill, hein. Et puis je récupère 700 d'XP à chaque fois que je... À chaque fois que je bute un dragon. Non, en vrai, je suis plus habitué à avoir ma corruption. D'accord, en combat, je peux pas changer. Je suis plus habitué à voir ça. Donc ça, il y aura quelques ajustements, hein, de toute façon, c'est quasiment sûr. Oh, tous ces dragons. Si, ça intéresse en tout cas pour les écailles. Alors attendez, parce qu'il y avait trois trucs aussi. Ah oui, des mecs à sauver, c'est vrai. Excusez-moi. Il est où? Ah, il est là. Ok, d'accord. Les marchandises sont confectionnées avec soin. Alors, je dois d'abord oui. choisir une cible. Oh, ah, vous êtes intéressant. Alors, vous l'avez peut-être vu,
J'ai encore comment quelquefois le loup qu'on avait débloqué dans oh, je sais plus comment ça s'appelait le ouais comment je vais le sauver lui? D'accord, non, c'est une pierre. Bienvenue sur les îles aux dragons. Bon, il me reste un mec à sauver. Je les ai vus. Ouais, c'est pas ce que je voulais le sort d'à côté, mais c'est pas grave, c'est tout aussi efficace. Bien, et ben c'est bien, il reste plus que le dernier mec à sauver. Pas dû sauter là. Il est où? Ah, il est là. Vous êtes sur une monture. Ouais, bah oui. Ah. Ouais, fous-moi la peau, toi. Par contre, je sais pas trop comment j'ai remonté de là, moi. Mais ouais, les gars, enfin. Toi, je vais aspirer ta vie parce que. Ah oui, puis j'ai aussi ça là, le. Du coup, le regard de l'inquisitrice qui. Comment? Qui inflige des dégâts aussi à mes ennemis. Qui est assez sympa, d'accord, on peut remonter par là, c'est ça que... Oh putain, la vache. Ok, d'accord, donc la lave ça brûle, non, sans déconner. je suis dézoomé à fond là. Ouais. C'est juste mon angle de caméra qui est un peu douteux. C'est un honneur de faire votre connaissance, Sandrax. Bien le bonjour! Vous avez des questions? J'ai des réponses. Pas vrai. Je suis désolé, hein, cette toux ne me quitte plus. Ah, et notre ancien logo a changé. Ok, d'accord. Donc ça... reprend un petit peu ce qu'on connaissait avec dans Un Shadowland. combat amical, peut-être. Vous avez vos ordres. Je vois d'ici que vous avez du talent. Nous aurons toujours de quoi vous satisfaire. Ok. Alors, je vois une quête là, mais c'est pas la quête de campagne. On va se concentrer sur la quête de campagne. Et si jamais on manque de niveau à un moment,
On fera les quêtes secondaires. Avez-vous trouvé un nouveau sujet d'étude? Ebysian avait affirmé qu'Iridion attendrait notre arrivée en compagnie d'une délégation d'Alexstrasza, la lieuse de vie, reine des dragons. D'accord, ok. Un dragon tient toujours ses promesses, au moins cette draconide impatiente est venue à notre rencontre. Allez donc vous renseigner sur l'arrivée des autres. Voulez-vous demander à Sandrax quand les dragons arriveront? Revenez vite me faire part de vos découvertes. Bienvenue sur les îles aux dragons. Oui, je m'attendais à ce que Zélistra et Irion soient là. Mais c'est un honneur pour moi de vous accueillir sur les îles aux dragons. Pour ma toute première mission, quelle chance d'avoir un tel privilège. Oh là, vous avez besoin d'aide? Profitez bien de votre séjour parmi nous. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. J'aimerais pouvoir vous souhaiter la bienvenue sur les îles aux dragons en bonne et due forme, mais je suis qu'une sentinelle. Sandrax désigne d'un geste la tour derrière elle. Adressez-vous plutôt à l'ambassadeur Fastraz au centre des visiteurs. Il pourra répondre à vos questions avant l'arrivée des dragons. Attention où vous mettez les pieds. La dernière fois que j'y suis allé, il nettoyait encore des gravats. Ah oui, vous avez laissé le truc à l'abandon pendant 10 000 ans. Attention où vous mettez les pieds. La dernière fois... Oui, donc ça c'est bon. Ok. Allez voir l'ambassadeur, tata, car on gagne 4000 pour ça. Si je comprends bien, vous étiez rival avant de prendre la tête de cette expédition. La Horde et l'Alliance sont en rivalité depuis toujours, mais Toddy et moi sommes réunis par notre quête de connaissances. Et d'aventure! C'est bien beau la connaissance, mais ça fait pas tout! Rassurez-moi, c'est pas un gobelin. Non, c'est un gnome, c'est ça. Donc. Ah, oh, j'aurais bien besoin de vos talents. Mais qu'est-ce que tu es, toi? On dirait une elfe de la nuit, mais. Ça se trouve, c'est juste une elfe de sang, c'est juste qu'elle a la peau sombre. Parle un petit peu pour vous. Vous avez des questions? J'ai des réponses. Qu'avez-vous appris dernièrement? Ah, j'aurais bien besoin de vos talents. Vous avez des questions? J'ai des réponses. Cessez de m'importuner ou je vous rendrai l'appareil. Avez-vous trouvé un nouveau sujet d'étude? Tu veux pas dire des mots en elfique? Qu'avez-vous appris dernièrement? Ah, j'aurais bien besoin de vos talents. Non, elle veut pas parler en elfique. Donc, j'assiste un peu. Vous avez des questions? J'ai des réponses. Avez-vous trouvé un nouveau sujet d'étude? Qu'avez-vous appris dernièrement? Cessez de m'importuner ou je vous rendrai l'appareil. Avez-vous trouvé un nouveau sujet d'étude? Qu'avez-vous appris dernièrement? Ah, j'aurais bien besoin de vos talents. Vous avez des questions? Non, on saura pas si c'est une elfe de la nuit ou une elfe de sang. Bienvenue, noble invité. Le meilleur pour les individus alliés des dragons. D'accord, on peut mettre notre pierre de foyer ici si on veut. Non, je vais pouvoir retourner à Satra quand je... Vous trouverez dans ce guide tout ce qu'il faut savoir sur les commodités de l'ambassade. Même si elles sont hors d'usage. Ah. Oh bordel, c'est tous mes titres. Attendez. Que puis-je vous proposer? Les plus belles marchandises des îles.
Signe d'oreille, ça veut dire elfe de sang. Il y a des blagues. Il y a des... Jaraxxus, c'est le nom d'un méchant de mémoire. Même des jeunes hommes en évidence de moi. Donc, signe d'oreille démoniste, donc c'est moi et ce que je suis. Seigneur du néant. Il me semble que c'est un titre que j'ai débloqué. Ou alors, c'est juste une blague, voilà, quoi. Je peux me noter au nom de la reine, Alexstrasza, The Lifeblinder, Queen of the Dragon, donc la reine des dragons. MDG Normand, The Lifebinder, donc le lueur de vie, c'est aussi comme ça qu'est appelée la reine. MDG Normand, la vraie reine des dragons. Ça c'est déjà la blague. Warchion, The BBF, donc le... Best Friend Forever, c'est BBF, c'est Best Friend Forever de Wartion. C'est une blague. Chromie, Dreamy Eyes, Kerygoz, Angry Ghost. Ah, le fantôme en colère de Issora. Donc ça, c'est une référence à Shadowland. Et Stonehead, tête de pierre. Ouais, bon. Ouais, hein. Ou simplement. Juste entre la simplicité et aussi désigner ce que je suis pour le registre. Allez, pour le registre. Ah. La date d'arrivée, donc marquer la date d'aujourd'hui, la date, l'heure et la minute. Ça, c'est pour les tatillons. Tomorrow, donc noté à demain. The not too distant future. Doit y avoir une rêve que j'ai pas. Répondre aussi vite que j'ai pu. Désolé, je suis en retard, je suis toujours en retard. Ah, il y a une petite référence à Alice au Pays des Merveilles, je pense. Precisely when I mean to. Précisément quand je l'ai dit. Ah putain, d'accord, ok. Alors, ça, c'est un petit peu la phrase. J'arrive jamais en retard, j'arrive quand je veux, petit con. En gros, c'est un petit peu ça la phrase là. After everyone done setting up. Après que tout le monde ait fait le travail. Je suis arrivé après que tout le monde ait fait le travail. Le dernier appelé, j'espère. Je ne crois pas autant. I don't believe in time. Je ne crois pas autant. Mais pas mal. Non, moi, j'aime la jouer tatillon. J'ai marqué l'heure, la minute et la seconde. Je marquais le timestamp. Je marque le timestamp. Ah, purée. la dernière colonne vous demande les raisons de votre visite. Aider au vol de dragon. Personnellement invité par Alexstrasza. Wow. Pour la Horde. Pour l'Alliance. Pour Azeroth. Pour les bébés canards tout mignons. Mais c'est quoi ce bordel? Mais putain, mais les devs, ils se sont éclatés là!
Mars Police Post is my own, donc mon mes raisons ne concernent que moi. Pour sauver le monde, 3 points de suspension encore. Pour sauver le monde encore. Non mais j'avoue, hein. J'avoue celle-là. Quelles sont les raisons de votre visite? Sauver le monde, encore. mais tu le dis avec un air blasé, tu sais. T'es là, t'es... j'en ai plein le cul. C'est génial. Pour aider ceux qui en ont besoin. Ok, d'accord, pourquoi pas. Donc ça, c'est cette phrase-là. Hein. To help those in need. Pour aider ceux qui sont dans le besoin. Donc là, c'est plutôt ça, jouer héroïque. J'ai un doute sur Fauze, mais en gros, pour faire de mon mieux, en gros, dans une bataille glorieuse, en gros, c'est ça. Pourquoi les gens font des choses ? Epic loot. On est là pour le loot. Je suis là pour le loot. Elle est pas mal. Elle est pas mal celle-là. I was dragged here by someone that I care about. J'ai été traîné ici par des gens et je sais pas pourquoi. En gros, c'est ça. J'en sais rien, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'on me demande. Vous me parlez, je ne lis pas les quêtes et juste je les complète. Ça, 99% des joueurs. Sauf que les joueurs qui font ça cliqueront jamais dessus. C'est génial. Parce qu'ils le mettent en dernière proposition et du coup les joueurs ils sont là, allez, première position. Et si ça passe pas, ça passe pas. C'est. Bon, qu'est-ce que je réponds à ça? Celle-là, elle m'a fait rire. Celle-là, franchement, to save the world again, elle me fait rire. Après, celle-là, elle est très. Et comment ? Elle est très pragmatique. C'est accompagner les Dragon Scale, la Dragon Scale expédition. C'est la mission, quoi. C'est. Celle-là, elle est arrogante. Invitée personnellement par la reine. Mais franchement, celle-là, elle m'a fait marrer, quoi. To save the world again. C'est... Oh, merde. Bon, allez, vas-y. Quelle joie de voir de nouvelles signatures dans notre registre, après tant d'années. Ah, putain, ah, ça, c'est marrant. Je me suis bien marré. Honnêtement, je me suis bien marré à remplir ce petit formulaire. Il y a des très très bonnes blagues. D'accord, c'est le pire là. La reine Alexstrasza est bien plus impressionnante que toutes les statues érigées sur les îles. Ouais, la pierre n'a aucun intérêt. C'est juste un petit message de Alexstrasza qui nous souhaite la bienvenue, quoi. Non.
Puisse ce bras zéro guider à nouveau les créatures pacifiques d'Azeroth jusqu'à nos côtes. Ouais, alors les créatures pacifiques peut-être, mais aussi les hostiles, hein. T'inquiète, hein. Bon, bah, je me suis bien marré. Prête à servir. Je suis toujours prête à me rendre utile. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Sandrax se semble déconcerté. Je n'avais encore jamais vu Célistra en retard, et encore moins aussi en retard, qui plus est, un événement aussi important, je n'y crois pas. L'expression de Sandrax s'élimine. Je pourrais utiliser ma fusée de signalisation pour prévenir de votre arrivée. Un détachement viendrait vous saluer sur le champ, mais je ne l'ai encore jamais utilisé. Convainquez Sandra d'envoyer sa fusée. Okay. Je suis toujours prête à me rendre utile. Ce fut un... On m'a toujours appris à n'utiliser ces fusées qu'en cas d'urgence. Mais je présume qu'en l'occurrence, leur usage est justifié. Et voilà, Célistra ne devrait plus tarder. L'indispensable camériste répond donc personnellement à tous les appels de détresse ? Bien sûr que oui. En cas de problème, la reine Alexstrasza ne s'en remet à personne d'autre. Les voilà ! Incroyable. Tiens, tiens, regardez qui voilà. Nous avons craint le pire en voyant le signal. Quel est le problème, cadette Sandrax ? Camériste, nos hôtes se demandaient où vous étiez. Et je me suis dit... Je vois. Je regrette que nous ayons dû nous absenter. Mais le peuple Jaradin, notre rival de toujours, refait des siennes. L'avant-poste de Cœur de Dragon est déjà tombé. Il semble que nos destins soient liés. C'est vrai. Je sers ma reine. Que la reine vous bénisse. J'aimerais avoir le temps pour de plus plaisantes présentations, mais tout le monde n'est pas chronormu, n'est-ce pas ? Ça me parle, ça, chronormu. Je suis Célistra, camériste d'Alexandra, la lieuse de vie, reine des dragons. La reine Alexstrasza m'a demandé de vous transmettre ses égards et de vous escorter au bassin de l'essence. Malheureusement, je vais avoir besoin de votre assistance avant de vous mener à elle. Le peuple Jaradin, notre rival de toujours, s'est éveillé de son sommeil souterrain et a lancé un assaut contre l'un de nos avant-postes. Écoutez les ordres. Ok, d'accord. Je vous attendrai. Que puis-je faire pour vous ? La lieuse de vie vous a... Cadette Sandrax, conduisez notre hôte auprès du commandant Létanac, près de l'avant-poste de Cœur de Dragon. Participez à l'évacuation des dragonnets et des victimes. À vos ordres, camériste. Irion et moi allons prendre notre envol et contenir les troupes Jaradin au donjon de Krakikai. Rejoignez-nous dès que possible. Ce serait dommage que la bataille soit terminée avant même que vous arriviez. Vous avez... N'attaquez pas avant que les dragonnets et les victimes soient en sécurité. Les autres devront rester ici en attendant de pouvoir quitter l'ambassade sans encombre. Oh non, je vais rater la fête. Nous n'allons pas avoir le temps de nous ennuyer, Toddy. Le devoir nous appelle. À coup de serre ou à tire d'aile, veillez à accomplir le vôtre. Vous avez vraiment appelé un avant-poste Cœur de Dragon.
C'est une référence au film ou pas? Alors, si vous connaissez pas le film Cœur de Dragon, je vous le recommande, mais attention, la fin est très triste. Moi, personnellement, j'ai chialé devant la fin. En même temps, je l'ai vu, j'étais jeune. Je vois un fly, il est où le fly? Il est là. Sur les îles aux dragons. Profitez bien de votre séjour parmi nous. Je suis toujours prête à me rendre utile. Je n'ai entendu parler du peuple Jaradin que dans les livres. Ils rivalisaient autrefois avec les dragons. On dit que ses membres titanesques maîtrisent la terre et la lave. Alors, c'est sympa. Et ce vous corps et âme à l'annihilation des dragons. Sandra lance un regard inquiet au sommet du volcan. D'après les enregistrements que j'ai reçus, ces créatures n'ont plus été aperçues depuis le départ des dragons, car elles se seraient endormies au cœur de la terre. Si leurs armées se sont effectivement réveillées, les dragonnets et les îles courent un terrible danger. Suivez-moi, je vous emmène au commandement Letanak, à l'avant-poste de Cœur de Dragon. Ouais, c'est un plaisir de vous rendre. Nous enverrons des expéditions aux quatre coins de ces îles dès que le danger sera écarté. Le danger, c'est justement ce qui fait le sel du métier. Prête à servir. Profitez bien de votre séjour parmi nous. Ce ne sera pas long. L'avant-poste de Cœur de Dragon est tout proche. À en croire la légende, le peuple Jaradin est le plus grand rival des dragons. Ah, c'est ces trucs-là? Autrefois redoutable, a tué des centaines de dragons autant jadis. Quand les dragons sont partis, et que ces terres ont sombré dans la torpeur, les tribus Jaradin en ont fait autant. Et cette terre est à nouveau foisonnante de vie. Oh, puissons-nous ne jamais nous lasser de sa beauté. Ah, et vu mieux. Les autres draconides avons continué à monter la garde afin de protéger les pierres de vœux, symbole de la puissance des vols. Le retour de nos adversaires sera notre ultime mise à l'épreuve. Puissions-nous être à la hauteur. Alors, putain, faut vraiment être à côté d'elle, quoi. Commandant Letanak, cadet Sandrax au rapport, sur ordre de Célistra, camériste de la reine. Ok. Repos. J'attends votre rapport. Pour la lieuse de vie. Protégez vos camarades. Nous ne sommes peut-être pas en mesure de reprendre notre avant-poste, mais cela ne veut pas dire que nous devons nous rendre sans combattre. Montrez-leur que je ne les laisserai pas faire. Tuer ces unités, ok. Ah, et on récupère un habit. Ouh, ouais, mais c'est moins bien que ce que j'ai. Protégez vos camarades.
délivrer les dragonnets du mal. Ces fourbes nous sont tombées dessus sans crier gare. Mes gardes ont tenu aussi longtemps que possible pour nous permettre d'évacuer les faibles et les jeunes, mais je crains qu'il en reste encore dans l'avant-poste. Traverser le pont et chercher les survivants. Sauver 4 jeunes dragonnets gémissant dans l'avant-poste de Cœur de Dragon. Ok. Bon, ça va aller vite. Je vous confie la vie des miens. Ah, ça résiste déjà un peu plus. Il est où le gars que je dois sauver ? Regardez, il était là. C'est pas ça ? C'était pas ça. Je l'entends, je le vois pas. Ah, bordel. T'en fais deux. Il est là-bas. C'est bien, il y a des joueurs en tout cas. Bon, beaucoup de dragoniques, hein, des gens qui créent des dragons. Ça se comprend, hein, je crois qu'ils commencent au niveau 58 les dragons.
M'en doutais. Alors ça, c'est le genre de truc. Ok. Bon, voilà, c'est fait. J'attends votre rapport. Pompée. Excusez-moi. Je m'étire. L'heure du jugement. J'attends votre rapport. Je vais devoir faire une pause après ça. La cadette Sandrax m'a fait part des plans de votre de notre camériste. La lieuse de vie soit louée, son aide nous est précieuse. Ses actions nous offrent un sursis indispensable pour ramener nos blessés au bassin de l'essence et prendre soin d'eux. J'aimerais pouvoir envoyer des renforts à Alistra. Mais je dois garder mes troupes près des blessés. Pourriez-vous aller à sa rencontre dans le bastion ennemi s'il y avait un autre moyen de régler la menace de Jardine? J'y aurais volontiers recours, mais faites le nécessaire. Allez voir Irion et Célistra dans le donjon Kradekai. Ok. Protégez vos camarades. Le chariot est prêt à partir. Attendez. J'ai une autre mission capitale à vous confier. J'y veillerai, même si ça doit me coûter la vie. Du calme. Excusez-moi, j'ai juste coupé mon micro un instant. Nos adversaires d'antan sont de retour. Et nous devons mobiliser le fleuron de nos vétérans. Allez au conservatoire de la lieuse de vie et menez les draconides au bassin de l'essence. À vos ordres, commandant les Tanak. Ok. Du coup, je dois partir par où? Je vois pas trop en fait. Pas trop ce que c'est. Fourniture de l'île au dragon. Je sais pas à quoi les fournitures vont servir, mais certainement qu'il y aura une table de commandement arrivée un moment. Ah, il y a une... Ok. Bon, on va faire ça. Alors, on va faire une petite pause du coup dans le... Est-ce qu'on le fait ensemble ou est-ce que je coupe? En vrai, j'aurais besoin, moi, de faire une pause dans le tournage. Parce que, déjà, j'ai encore le nez plein. Et je vous explique, j'ai une dent qui me chatouille. Faudrait que j'aille me chercher un Doliprane. Donc j'aurais besoin de faire une petite coupure pour cette dent là qui... Je sais pas ce que j'ai, et c'est pas constant, c'est pas une douleur constante.
Mais j'ai une dent qui m'enquiquine. Donc voilà. Je vais couper le temps juste de faire cet objectif bonus. Ça nous rapporte quoi d'ailleurs? Ça nous rapporte 13 000 d'XP. À la limite, je vous reprendrai quand je tuerai le dans les derniers gars. Mais je vais buter du mec. Allez, à tout de suite. Bien, je reprends l'enregistrement. Ah, et je pense que... Ouais. D'accord, le mec est AFK là, en plein milieu, là, le... Bon, l'avantage c'est qu'il y a d'autres joueurs, donc j'ai pu aller assez vite. Voilà, 13 000 d'XP en plus, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Bien, on va pouvoir continuer. Alors j'ai vu qu'il y avait un truc là. Avec une tête de statue à côté, bon. Ok, il arrive. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles de l'avant-poste. Tout acte a ses conséquences. Renseignement de la Griffe Noire. Alors que Célestra et moi attirions leurs attentions dans les cieux, les ombres se sont glissés à travers leur défense. Des ombres se sont glissées à travers leur défense. Mes agents, les Griffes Noires, gardent un œil et une oreille attentive dans tout le donjon. Partez à leur rencontre et faites-leur savoir que vous êtes de notre côté. Ils nous donneront de précieux renseignements sur nos adversaires. Parlez aux espions et espionnes diront dans le donjon Cacrecaille. Cracrecaille. Le vol noir Putain, les noms, hein. Rabat-joie. Oh. Ah oui, après mon arrivée, j'ai aperçu la chef de ces géants de retour d'un raid. Elle est en train de fêter leur victoire quelque part dans le camp. Ce serait vraiment dommage que quelqu'un vienne gâcher ces petites réjouissances. Non, tuer Hacheviande Sotok. Ok, au donjon, on craque. Et on va déjà regarder un petit peu. Ah! Ah! Hey! C'est bien ça! Bâton de découverte, on prendra ça. À la prochaine fois. Nous allons attirer leur attention vers le ciel pour vous couvrir. Nous vous rejoindrons sur une position avancée quand vous aurez fait votre part du travail. Bon. On va... Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Une tarentule de lave. De mieux en mieux. Non. Oh, ils sont partout en plus. Bon, allez, celle-là, elle va m'emmerder. Allez, ciao. Ok.
Ah ouais, c'est des joueurs. Je suis un peu paumé. Bon. Et j'ai perdu mon... Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Une créature épique? Intéressant, vas-y, on va voir un petit peu ce que t'as dans le bide. Oh! J'ai gagné combien d'XP là? En le butant? Non, j'ai pas vu combien j'ai gagné, mais il me semblait que j'avais gagné genre 4000 points. Bon, par contre, j'ai pas compris où était le... Ah putain, elle est là. Elle est là, je l'avais pas vu. J'ai des yeux partout. Le vol rouge a été pris au dépourvu par cette attaque inattendue. Le combat inégal a laissé l'armée de Jaradin sur sa faim. Oh bah il est revenu du coup. Ah oui mais moi j'ai perdu le... J'ai plus le jeton, comme quoi il est épique. Bon. Non lâche-moi s'il te plaît, lâche-moi. Allez, oublie-moi, voilà, merci.